Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors on va pas trop faire travaux aujourd'hui, on va faire un petit point, on va faire une petite transition, je vais dire. C'est-à-dire que on va stopper les travaux maçonnerie. Là, la dernière vidéo que vous avez vue, c'était la dernière vidéo de maçonnerie avant un petit moment. Et là, on va passer à une autre phase des travaux. Donc, je voulais faire un petit point avec vous, peut-être pour vous donner un petit peu envie de continuer de suivre la chaîne et de voir un petit peu ce qui va se passer pour les prochaines vidéos. Donc, j'ai mis ma casquette de Peaky Blinders. C'est ça qu'on m'a dit. Oui, avec l'accent, hein, c'est pas. Et on va regarder ensemble en fait où on en est dans les commandes, où on en est dans tout ce qui va se tramer dans les différentes futures vidéos. Donc on va voir et ben, ensemble comment j'ai réalisé mes voliges en pin douglas. Donc il y a 160 mètres carrés là finis de voliges en pin douglas qui sont rabotés, poncés, rainurés et qui s'emboîtent admirablement bien. Elles sont lochées par deux. Donc ça va venir recouvrir la charpente avant d'y mettre l'isolant qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, on va parler des chevrons. Donc les chevrons, ils sont là. Il y en a 82, 84, je ne sais plus exactement. Donc chevrons en chaîne, c'est du 7 par 11. Et en fait, on pourra voir que je les ai entaillés à mi-bois au faîtage pour faire un assemblage, on va dire, traditionnel. C'est une technique que j'ai vue chez mon voisin, donc j'ai dit je vais la reproduire. Donc vous verrez dans cette vidéo-là un petit peu plus en détail ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc une autre vidéo. Il y aura ici la suite de mon échafaudage, donc il est stocké là. Donc il me reste encore à le fabriquer, donc je prendrai aussi 2 journées à fabriquer, à tourner la fabrication de l'échafaudage, puisque vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment j'avais réalisé cet échafaudage. Je ferai une vidéo sur le sujet pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Ensuite, on va parler charpente, taille de charpente. Donc vous pouvez voir que j'ai fait des coupes. On va dire en sifflet, mais c'est vraiment un assemblage en écharpe, dit en écharpe. Donc avec une encoche ici pour y placer une clé, pour verrouiller une clé en chaîne que j'ai fabriquée également. Donc j'ai encore tout ça à faire. J'en ai là qui est sur le tréteau qui est prêt à être rangé, donc qui est terminée ici. Voilà. Donc pour encore une vidéo, je ferai peut-être même 2 vidéos dédiées à la charpente, à la préparation de la charpente, enfin du moins de la structure charpente, pas des chevrons, puisqu'en fait il y a une partie taille qui est assez intéressante selon moi à regarder, et une autre partie plus finition. Dans cette partie finition, la chaîne évolue avec le nombre d'abonnés, avec le temps, avec voilà. J'ai fait un partenariat, enfin on a fait un partenariat en commun avec Peugeot Outillage. Donc ils m'ont envoyé une machine. Je leur avais demandé explicitement il y a quelques temps, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait d'avoir une finition brossée sur mes bois de charpente. Et en fait, ils m'ont recontacté et ils ont été OK pour m'envoyer cette brosse. Donc du coup, je suis en cours de tournage. Donc la machine en question, eh ben, c'est une brosse Peugeot Outillage. Donc je l'utilise avec sa brosse laiton. Et c'est ça qui me sert à vraiment donner une finition vieillie, satinée, patinée, j'oserais dire, à mes poutres en chaîne. Donc oui, on peut voir la finition brossée que rend la brosse. Donc j'ai essayé de finir avec du chanfrein, de faire ça proprement. Ici, on est sur du faîtage. Donc j'ai usiné le sommet du faîtage, j'ai délardé, hein, comme on peut le voir. Enfin bon, voilà, c'est de la poutre en chaîne de 15 d'épaisseur par 28 de hauteur. Là, je peux vous dire que voilà, ça tourne, hein, ça brosse pas mal. Je suis déjà à 3, 6, 6 pannes de 15-28 en chaîne brossée avec. Et les premiers tours que j'en ai, vraiment, c'est vraiment, j'en suis très très satisfait, puisqu'en fait, la finition qui en résulte est au-delà de mes espérances, donc vraiment très positif pour la brosse, à tel point que en fait, mes chevrons qui sont poncés,
Mais je pense que je vais les brosser aussi. Je vais reprendre mes 80 chevrons et je pense que je vais les brosser aussi. Donc ça, on en reparlera dans la vidéo sur les pannes. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, à ce moment-là, je vous ferai une vidéo dédiée à cette machine où on pourra essayer sur plusieurs supports, plusieurs types de bois, voir un petit peu les rendus rabotés par rabotés. Bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de vidéo le moment venu, hein, pas maintenant, hein, parce que là, je suis débordé. Donc je vous ai dit que on allait mettre un isolant par-dessus les voliges une fois qu'on aura posé donc la charpente avec les pannes, les chevrons et les voliges. Et ben la laine de bois, elle est là. Donc c'est de la laine de bois en 120 mm, donc 140 kg par mètre cube de densité, rainure et bouffetée. Donc c'est des panneaux et on va mettre deux épaisseurs de laine de bois. Donc on aura 240 mm de laine de bois. Plus encore les contre-chevrons 60 mm. Donc on sera à 300 mm d'isolant sur le toit en pose Sarking. Je pense qu'au niveau confort thermique d'hiver et d'été, on devrait être pas mal dans ce gîte. Donc c'est de la laine de bois que j'ai depuis pas mal de temps. On avait anticipé l'achat avant la hausse des prix fulgurante. Et je dois dire qu'on a bien fait de se décider rapidement parce qu'on a fait une belle économie par rapport à si on devait l'acheter aujourd'hui. Si vous voulez suivre un petit peu au quotidien, parce que les gens qui me suivent sur Instagram savent que j'ai reçu la laine de bois depuis un moment. Ils savent que je suis en train de faire du brossage. Ils savent que comment j'ai coupé les poutres. Donc si ça vous dit de le savoir, pas en temps réel, mais je poste de temps en temps des choses sur Instagram, je vous mets le lien dans la description. Puis voilà, si ça vous dit pas, ben vous restez comme vous êtes, vous venez là sur YouTube et ça sera très bien aussi pour moi, vous êtes toujours les bienvenus. Ensuite, on a donc encore toute la laine de bois ici. C'est toute la laine de bois, hein. Il y a 240 mètres carrés, je crois, en tout et pour tout, sur les deux épaisseurs. On a ici litho contre litho, donc en pin douglas. Je voulais pas de bois traité, on a voulu rester cohérent jusqu'au bout dans ce qu'on faisait, donc j'avais la possibilité d'acheter du bois traité. On a préféré mettre un petit peu plus cher et avoir des lithos en pin douglas, pour rester le plus naturel possible, sachant que on limite comme on peut. Mais quand on peut le faire, on le fait. Donc ils sont stockés là, sous abri, c'est aéré. Donc toujours en pin douglas, ici on a donc les caissons, ce qui va me servir à faire les caissons, puisqu'en fait sur la toiture, on va pas isoler la partie mur et la partie extérieure. On va pas mettre de la laine de bois ici. Donc en fait je ferai des caissons en pin douglas pour pouvoir poser ensuite les contre-chevrons qui viendront pincer l'isolant avec les chevrons. Contre-chevrons en 6-6, donc qui sont là-dessous. Ensuite, j'ai trouvé de la brique, donc j'en ai une palette ici et j'en ai une palette là-bas. C'est de la brique neuve, moulée main, puisqu'en fait, je vais, sous la panne sablière, en fait, je vais tout rebâtir un niveau de brique pour donner le style que les maisons d'ici ont, beaucoup de maisons d'ici ont. Donc voilà, il y a une palette ici de brique et j'en ai une autre qui est rangée juste là. Enfin, pour cette partie-là, on a déjà toutes les tuiles, c'est pareil. On a investi très vite, très tôt sur les matériaux. Quand on a vu que la crise arrivait et que ça allait commencer à augmenter, on a dit on va pas se tourner le doigt où vous savez pour se décider à acheter. On avait les fonds, on a dit on achète. Donc on a la tuile. Donc c'est une tuile espagnole en terre cuite. Et la particularité qui est là, c'est des tuiles grand moule qui sont imitation petite tuile. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Donc en fait, ici, on a une seule tuile qui, au final, vous donne l'impression d'avoir trois petites tuiles. Donc elles sont flammées, elles ont des teintes différentes. Donc on a ça, on a les tuiles de rive ici, on a toutes les tuiles qu'il nous faut. Tuiles douille, il y a tout ce qui va bien. Donc avec ça, quand elles seront sur le toit, je pense que je ne serai pas mécontent. Alors ensuite, c'est en commande, on n'a pas reçu encore, donc ça c'est des panneaux qui me restent de la maison, mais c'est les mêmes panneaux que ça qu'on a commandé. Donc c'est du liège en 60 mm d'épaisseur, donc qu'on mettra en double épaisseur. Ça va me servir à isoler le sol du gîte. Donc on aura la dalle de 18 cm en béton de chaux pouzzolane, donc que vous avez vu si vous suivez les vidéos. On aura dessus donc deux couches de liège en 60 mm. Exception faite pour le séjour qui est au-dessus de la cave où j'ai fait mes dalles en béton, où vous avez vu la dernière vidéo, le seuil de baie vitrée, où là on aura 80 mm en une seule épaisseur. Donc
ce liège, double épaisseur de 60 mm. Ensuite, chape de chaux de 40 ou 50 mm, je vais voir. Et enfin, le sol qui est là. Il y en a 4 palettes. Donc, c'est du travertin de 30 mm d'épaisseur. Voilà, tout est là. Il y a du travertin. Donc, c'est le même travertin qu'on avait mis dans la maison. Donc, il y a des vidéos qui s'y rapportent. Je vous mets dans la description. Je vais faire exactement la même pose, en pose scellée sur chape fraîche. Et c'est des dalles de 30 mm, donc qui font pas loin de 20 kg chaque dalle. Mais on a quelque chose de massif avec de l'inertie. Donc, il me restera encore à commander le sol chauffant. Donc, je pense qu'on va mettre du chauffage électrique au sol, comme on a mis dans la maison, parce qu'on en est satisfait. Le peu qu'on l'utilise, on en est satisfait. Et là, je vous emmène pour les revêtements muraux. Donc, parce qu'on ne sera pas sur du placo ni sur du fermacelle pour les murs. Alors, les revêtements muraux seront un bloc de chanvre. Donc, ça, c'est pareil, c'est des blocs de chanvre qui me restent de la maison. Donc, c'est des paillettes de chanvre qui sont collées à la chaux et en bloc de 30 cm par 60 cm. Et ceux-là font 10 cm d'épais. Et on a commandé 5 palettes qu'on doit recevoir certainement fin de semaine, début de semaine prochaine avec le liège. Alors, ensuite, ici, on a des big bags de chenvot. Puisqu'en fait, pour quand je vais réaliser mon isolant, on va avoir le mur et je vais mettre les blocs de chanvre devant. Et en fait, pour combler l'espace qu'il y aura entre les blocs de chanvre et le mur, puisque mon mur n'est pas très régulier, mes blocs ne vont pas plaquer correctement. Je vais laisser 5 cm de jour entre les blocs que je vous ai montrés et le mur. Et je vais le combler avec un béton de chanvre que je vais faire en mélangeant simplement de la chenvotte avec de la chaux. Ce qui va me permettre d'avoir une continuité en fait thermique et à permettre à l'humidité en fait de traverser l'isolant sans avoir une lame d'air qui donnerait une condensation et qui ferait condenser en fait l'humidité qui traverse la paroi et générerait de l'humidité dans l'isolant. Là, l'humidité pourra traverser l'isolant et ensuite l'humidité pourra partir dans le mur. Donc, comme vous pouvez le voir, encore pas mal d'heures de travail en perspective. Et bah moi, j'espère que cette petite vidéo, hein, courte vidéo, en attendant donc de transition, vous aura donné envie de suivre la chaîne, de vous y abonner, et, de continuer à me mettre toujours des messages. On a vraiment énormément de plaisir à vous lire. Ah, dans 15 jours, normalement, on essaie de poster tous les 15 jours une vidéo. Donc là, on parlera de voliges dans 15 jours. Allez, salut !